Bonjour, je peux peut-être t'aider? Ah, je vois, tu te poses des questions sur la pompe à insuline, c'est ça? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Tu connais ce système, j'imagine. Tu l'utilises tous les jours. Tu t'injectes toi-même l'insuline dont tu as besoin. Eh bien, avec une pompe, c'est la même chose, sauf que c'est mécanique. Allez, passons à la suite, je vais t'en expliquer tous les avantages. J'imagine qu'en ce moment, tu utilises deux stylos différents. Un pour l'insuline lente et l'autre pour l'insuline rapide. Eh bien, avec la pompe, tu n'as besoin que d'un seul produit pour les deux types d'injections. La pompe envoie régulièrement des micro-doses d'insuline. En 3 jours, une seule piqûre, là où il t'en faudrait 12 à 15 avec deux bons vieux stylos. Au final, il te faut plus de 1800 piqûres par an avec les stylos contre seulement 120 pour la pompe. Ah oui, c'est vrai, je te parle de piqûres et là, tu te demandes où est l'aiguille, c'est ça? Tu vas voir, c'est très simple aussi. Il existe différentes sortes de tubulures ou cathéters. Chaque personne est différente. On peut ainsi se piquer presque partout et en plus ça ne fait même pas mal. La preuve. Donc moi j'ai choisi ce cathéter parce qu'il est très simple à utiliser, il est petit, il se glisse facilement dans un sac. Et c'est vrai, où qu'on soit, on est dans une salle d'attente ou dans le train ou dans un restaurant, on peut changer très facilement de façon très discrète le cathéter. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. J'ai choisi un cathéter avec une aiguille en métal parce que je me suis rendu compte après quelques essais que j'étais allergique au téflon. Maintenant, j'utilise ça et ça me va bien. Voilà. Je vais commencer par purger la tubulure. Il ne reste plus, maintenant que la purge est terminée, qu'à faire la connexion. Donc, en quelques minutes, on a changé le cathéter et je suis prêt pour 3 nouvelles journées de diabétique. J'ai choisi ce cathéter-là parce qu'il possède un système d'insertion qui est pratique pour poser le cathé. Et vu que je suis plutôt actif, j'ai pris un cathé avec canule parce que ça permet d'éviter d'avoir des sensations désagréables au niveau du cathé, de se faire mal quand on tape. Donc je peux taper dessus, ça me fait rien. J'ai choisi un cathéter clipsable, car pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pratique dans la vie de tous les jours avec ma pompe à insuline. Le cathéter, pour moi, je l'ai choisi assez long, 110 cm, parce que j'ai besoin de faire des mouvements amples, notamment quand je fais du tennis, plusieurs fois par semaine. Donc moi, j'utilise ce cathéter-ci parce que c'est celui qu'on m'a proposé dès le début et ça m'allait très bien. Avant, j'étais sous stylo, c'était contraignant. Maintenant, avec la pompe, je suis beaucoup plus libre au quotidien. Attends, encore une chose au sujet de la pompe. C'est toi qui la gères. Le rythme de diffusion de l'insuline est propre à chaque personne. Et c'est toi qui le détermine avec ton diabétologue. Mais pour couvrir tes repas, tu peux commander quelques unités d'insuline qu'on appelle bolus. Et idem parce que chaque situation est différente. Tu peux régler ta pompe en fonction. Quand tu fais du sport. Quand tu travailles. Que tu es invité à une soirée. Dans ton intimité. Ou bien encore quand tu pars en voyage aussi. Et même si tu cèdes à quelques gourmandises. Bon, eh bien, mon cher ami, je voudrais maintenant te présenter quelques spécialistes de la pompe. Les stylos, on les oublie, on n'a plus envie de ça, en fait. Si on décide de faire un effort quel qu'il soit, on a un moyen de contrôler tout de suite et de baisser la dose. Quand je joue au tennis, j'ai besoin d'avoir une base plus réduite. Et ma pompe me le permet. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est tellement facile. On prend la pompe dans la poche et puis on appuie sur un ou deux boutons. C'est très étonnant parce que ça vient très vite en fait. La prise en main est très rapide. Beaucoup de liberté apportée en tout cas au traitement. La liberté, vraiment, la liberté plus quoi. C'est ce que disent tous les diabétiques qui ont adopté le système. C'est la liberté. La pompe insuline améliore indiscutablement le diabète, toutes les études le montrent. Les hypoglycémies sont moins sévères, le diabète est mieux équilibré. On voit en plus que les glycémies s'accordent, sont un peu meilleures. Et du coup, c'est vraiment un cercle qui fait qu'on se sent de mieux en mieux, donc on est de plus en plus à l'aise avec la pompe. Les glycémies que vous faites régulièrement diminuent et surtout se stabilisent. Ceci est très important parce qu'on obtient une meilleure moyenne avec moins d'écart autour de la moyenne. Autrement dit, moins d'hypoglycémie. Donc non seulement on améliore le diabète parce qu'on le fait baisser, mais en plus
on a moins de risques hypoglycémiques. Les hypoglycémies, je n'en ai plus. Enfin, il y a très très longtemps que je n'en ai eu. J'ai toujours ma pompe sur moi, même quand je suis en maillot de bain à la plage, ça ne me pose pas de problème parce que je trouve que ça ne se voit pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est tellement confortable que je n'imagine plus devoir me piquer 4 ou 5 fois par jour. Un voyage que j'ai fait il y a quelques années quand j'étais encore sous stylo, donc encore avec mes 5 injections par jour, et je suis partie en Laponie en plein hiver, donc il faisait moins 20, on faisait que c'était un petit peu compliqué pour trouver des endroits où piquer quand on était avec les combinaisons anti-froid, donc il fallait arriver à trouver, à se déshabiller pour se piquer. Et c'est sûr que maintenant, je me dis qu'avec la pompe, je pourrais repartir de façon un peu plus simple, puisqu'il suffirait de la télécommande pour déclencher l'injection. L'un des avantages délicieux de la pompe, c'est quand on passe devant une vitrine puis qu'on voit, je sais pas moi, une superbe Charlotte aux fraises, bah, il suffit d'appuyer sur le bouton, de rentrer un peu plus d'insuline et puis la Charlotte aux fraises, sans problème, sans trace dans l'organisme, ou presque. À mon âge, c'est vrai que c'est très tentant d'aller chez des amis pour manger, faire la fête, tout ça. L'avantage avec la pompe, c'est que j'ai pu passer par exemple des bolus sur un certain temps, ce qui me permettait de ne pas être embêté par les hypos, les hyper, donc de profiter au maximum de ma soirée. À plusieurs moments, il est possible de se débrancher, de se clipser et de se reclipser grâce au cathéter. Je pense notamment au moment de la douche. Pas besoin de se faire un nouveau point d'injection, il y suffit juste de se reclipser. D'ailleurs, c'est pareil pour les rapports intimes. On va pas aller s'en mêler avec la tubulure quand même. Donc, il suffit juste de se débrancher. Bon, faut pas perdre la tête et se rebrancher après, bien sûr. Faut vraiment pas avoir peur de la pompe, c'est pas irréversible. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer, et tout en sachant que si ça va pas, finalement, on pourra quand même revenir en arrière. Donc, vaut mieux essayer la chose et puis tout de suite, on est convaincu généralement. Quoi. Il faut essayer les deux. Et je suis sûr que, quelle que soit la personne qui va faire, elle trouvera une évolution et dans le bien-être et dans les résultats. On a une amélioration de ce qu'on peut appeler cette qualité de vie de façon très nette. Une qualité de vie améliorée pour le patient et son entourage. Pour rien au monde, je changerais. La pompe te fait oublier le diabète. Ça facilite la vie de tous les jours. Et je crois que la pompe, c'est ça. C'est un diabète que je gère sans souci. Pour moi, la pompe, c'est viable, confortable. C'est la liberté, c'est pas irréversible et c'est très pratique. Praticité, meilleur résultat et facilité. L'autonomie, la souplesse, l'amélioration. La liberté. Beaucoup moins d'horaires fixes, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus discret. Les glycémies sont bien meilleures. Ma maîtrise, mon contrôle, mon diabète correctement géré. C'est la liberté.